Bonjour Anthony, bonjour à tous. Comme vous pouvez le remarquer, ici on est à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne, pas pour parler de la prochaine messe du dimanche, ni pour parler de la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne en elle-même, mais surtout pour parler de l'orgue. L'orgue, une école d'orgue qui a été créée il y a près d'une trentaine d'années par le charismatique Joseph Plugue, le père Joseph Plugue. Et parmi un de ses adeptes depuis cette période-là, il y a Christian Ledlow. Christian Ledlow, c'est aussi lui qui dirige aujourd'hui l'établissement. Alors, Christian Ledlow, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous présenter votre structure ? Alors, l'école d'orgue, c'est une structure associative qui forme des musiciens d'église autour de l'instrument qu'on appelle orgue. Donc, ce ne sont pas forcément essentiellement des musiciens d'église, mais des musiciens tout court, complet, qui peuvent intervenir par la suite dans leur cheminement personnel dans des structures on va dire laïque, au niveau des écoles de musique, voilà. Donc ce sont des musiciens complets qui peuvent par la suite devenir des professionnels. Donc ces musiciens aujourd'hui, on les retrouve dans des conservateurs, dans des conservatoires, on les retrouve à l'école de musique et dans d'autres structures. Pouvez-vous nous en parler ? Voilà, donc c'est essentiellement cela. Depuis 25 ans que l'école d'orgue existe, nous avons formé autour de 25 personnes qui ont fréquenté l'école, qui sont devenus par la suite des professeurs au collège. Certains ont créé leur structure privée, comme M. Padovani, donc voilà. Il y a M. Costi, qui est professeur au conservatoire de musique de Kourou. Voilà, donc il y a pas mal d'autres qui poursuivent des études actuellement aussi en musicologie. Donc, la philosophie même de l'école d'orgue de Guyane, c'est rendre ce qu'on a appris, c'est-à-dire ceux qui ont appris avec le père Joseph Plugue, ceux qui ont appris avec vous, reviennent enseigner à d'autres personnes. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette philosophie ? Voilà, dès son origine, quand le père Plugue a instauré l'école d'orgue, c'est sous forme de, je dirais, plus de volontariat, mais que les plus grands apprennent ensuite, encadrent les plus jeunes pour pouvoir faire une transmission de flambeau, si l'on peut dire. Voilà, une transmission de flambeau. Et que c'est comme ça jusqu'à présent que la structure fonctionne. Les professeurs actuellement, ce sont des anciens qui sont devenus professeurs de musique et qui enseignent aux plus jeunes. Depuis la fin du mois de septembre, vous avez lancé une campagne d'inscription à nouveau. On sait que l'école forme à peu près une trentaine d'élèves par an. Est-ce que vous espérez un peu plus cette année ou moins ? Comment ça se passe au niveau des inscriptions ? Alors, au niveau de l'inscription, nous pensons arriver à peu près aussi à le même nombre, entre 25 et 30. Donc, la rentrée se fera demain à 14h. Les inscriptions sont ouvertes tout le mois d'octobre. Et voilà, nous avons plusieurs temps forts qui vont rythmer cette année, comme chaque année, des sessions au mois de février, des sessions de masterclass au mois d'avril et une session d'orgue au mois d'août, chaque année, qui ponctue la formation des élèves. Et quels sont les invités pour cette masterclass ? Alors, en avril, vous avez Domenico Severino, c'est le titulaire de la cathédrale de Meaux. Et au mois d'août, on aura un événement qui sera nouveau. C'est la première fois que nous aurons ça en Guyane. Ce sera la présentation d'un spectacle qui mêlera des images de l'espace, fait par Jean-Loup Chrétien, et deux organistes avec des percussions. C'est pour le mois d'août.